Yo, bien ou bof? Eh ben voilà, on a passé une bonne soirée, on a encore pris les 3 points. Mais bon, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor, you know. Et oui, car comme indiqué juste ici, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS, et pour la télécharger, rien de plus simple, comme indiqué juste ici, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger, c'est un bon moyen de me soutenir, poteau. Bon alors, ce match hier soir, PSG Nantes, dans un froid de canard, poteau. Chez nous, à la maison, dans notre magnifique jardin. Et faut savoir que les poussins, eh ben ça fait belle murette qu'ils ont pas gagné au Parc des Princes, ma gueule. Moi chez moi. Bon alors, du côté de nos Marvel, Verratitan malheureusement était absent, et Takikardi, lui, il était sur le banc en première mi-temps. Une première mi-temps qui n'était pas très animée, justement. On a perdu beaucoup trop de ballons et il lâche pas assez vite le ballon, quoi. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on avait rien à se mettre sous la dent en première mi-temps, ou sous le crampon, si tu préfères. Jusqu'au but de Neymarvel, mais but qui a été refusé par la VAR, sa mère les popettes. Ça fait pas zizir. Encore un arbitre de merde et la VAR qui rend vert avec ses décisions, là. Ça fait pas zizir. En vraie vérité, la VAR, poteau, c'est un peu comme un mirage dans le désert. T'as soif, tu croyais que t'allais boire. Sauf que non, faux, nul, zéro. Tu vas pas pouvoir boire à cause qu'il y a la VAR, poteau. Moi, chez moi. Donc, la VAR, t'as eu, moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Non, non, c'est pas, non, rien à voir. C'est pas le truc que je t'ai dit la dernière fois. Non, non, ça, c'est autre chose, ça. La VAR, en vraie vérité, ça veut dire vidéo qui anéantit tes rêves, poteau. Moi, chez moi. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est encore fait victimer par la VAR. Mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude, ma gueule. Moi, chez moi. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, poteau, nos Marvel ont joué avec plus d'intensité. Même si les canards, faut quand même bien avouer qu'ils étaient coriaces, les salopards. Donc, nos Marvel ont commencé à lâcher le ballon plus vite. Et là, on a assisté à une contre-attaque éclair avec une magnifique passe des extérieurs pied gauche de Dimba Mbia à destination d'Mbappé Tar. Mbappé Tar qui a conclu cette action d'une incroyable manière. Oh punaise, quel but incroyable, j'en reviens des pas. Ça fait zizir. Et ça fait 1-0, poteau. Ce but d'Mbappé Tar, l'Algérien, lui permet de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Moi chez moi. Ensuite, nos Marvel ont continué de pousser, mais le gardien des poussins, il nous a quand même bien fait galérer. Mais en parlant de gardien, notre gardien à nous, c'est pas un gardien, c'est un ange gardien, un félin. Punaise, il nous a encore fait des parades farcies, des parades farla. Ça fait zizir. Et je te Takikardi, il a été victime d'une faute de leur gardien qui lui est rentré dedans par derrière, ma gueule. Ce bécile de gardien nantais, il a confondu Takikardi avec Wanda, ce cochon. Moi, chez moi. Donc, Neymarvel, il prend le ballon, il frappe, but. Mais comme l'arbitre, cet enfoiré de merde, il a décidé de nous faire chier jusqu'au bout, et ben, il a décidé de le refaire tirer. Ça fait pas zizir. Donc, Neymarvel, il a repris le ballon, lui a dit, ah ouais, tu veux jouer à ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et bim, 2-0, poteau. Ça fait zizir. Les nantais sont anéantis. Moi, chez moi. Ensuite, un petit peu plus tard vers la fin du match, il y a Cava Magnifique qui très rend sur le terrain. Et dans une dernière contre-attaque, dit Mamma Mia, c'est Cava Magnifique qui loupe sa frappe alors que le but était vide. Ouais, mais les Nantais, ils avaient même pas leur équipe type aussi. Et alors, nous, on avait ni Jument Bernard ni Verratitan. Ouais, mais vous avez encore raté v'là les actions. Ouais, mais contre ton équipe de merde, t'inquiète pas qu'on va la foutre au fond. De toute façon, vous allez encore gagner le championnat, mais vous allez rien faire en Ligue des Champions. Et bah, vous ferez rien ni en championnat, ni en Ligue des Champions, ni en Europa League. Bon, ok, je vais marcher une heure. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bref. Pour conclure, le PSG a croqué le petit beurre nantais. Mbappé Tar dans le top 10 des buteurs du club. Les records continuent de tomber. Di Mamma Mia encore passeur D. Nava sur une muraille impossible à passer. 2-0 sans forcer, on continue la promenade de santé. Moi, chez moi. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, je suis presque à 10 000 abonnés sur Insta. Alors je compte sur toi pour m'aider à les atteindre, poteau. Le lien de mon Insta est disponible dans la description de cette vidéo, you know. En attendant, je te donne rendez-vous samedi en fin d'après-midi sur le AZ Canapé Magique pour écrabouiller les Mont-Pèlerins. On connaît les bails. Salut.